Bonjour et bienvenue dans Instinct de cœur in a visual way. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Docker. Aujourd'hui, on va parler des events. Les events Docker sont des événements en temps réel produits par tout type d'objets. Les conteneurs, les images, les plugins, les volumes, les networks, les démons, les nodes, les secrets et les configs. Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les events depuis un timestamp, une date ou un temps relatif. Par défaut, les 1000 derniers events sont envoyés. Mais il est possible d'utiliser des filtres pour limiter le nombre d'événements renvoyés. Ah, passons à ma partie préférée. On va voir quelques commandes pratiques à utiliser au quotidien. Pour afficher les events des 5 dernières minutes, on peut taper la commande docker event moment since 5m. Pour exécuter un conteneur et afficher les events relatifs au conteneur, on peut coupler la commande docker run et la commande docker event avec un filtre sur le ou les conteneurs souhaités. Pour afficher les events en JSON, il y a les commandes docker event avec l'option moment format JSON. Pour afficher les events de l'image BuddyBox, on peut taper la commande docker event moment filter image égale BuddyBox. Et enfin, pour afficher les events du conteneur myContainer et de type stop, on peut taper la commande docker event moment filter conteneur égale myContainer et un autre moment filter event égale stop. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.